Le nouveau Broly? Ou l'ancien Broly? Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui on va aller tester le Broly ZTURAJ 100% qui est assez incroyable, une énorme unité. Donc c'est un Broly qu'on peut dropper sur le portail de, du Broly DBS, donc du Broly du film. Et il peut être ZTUR, donc aller jusqu'au level 140. Et en plus de ça, SP 15, donc il a un passif de malade en plus, on va aller voir tout ça. Mais avant ça, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir les frérots. Et à vous abonner pour ceux qui regardent les vidéos encore sur la chaîne, mais qui sont pas encore abonnés, bah vous êtes... N'hésitez pas les petits boutons rouges en bas, et puis vous serez abonné, vous serez au courant des prochaines vidéos que je sors. Avant de passer au test, on va regarder rapidement ce que vaut l'unité, donc ses stats, son leader, etc. Donc pour commencer, ce Broly a un leader qui est très intéressant, donc 120% d'attaque, de défense et de PV pour la catégorie Saiyan 200 pur. C'est un leader secondaire, donc Vegeta Blue Evolution est le principal, qui donne 170% en attaque et 130%, je sais plus si c'est en HP ou en défense, enfin bref. Et il a un deuxième leader qui donne qui plus 3 PV attaque et défense plus 100% pour le type extrême magie. Donc c'est assez bien au niveau des leaders quand même pour une unité secondaire. Au niveau de l'attaque SP, on va le regarder directement SP 15. Hein. Il va augmenter l'attaque et la défense de 30% pendant 3 tours. Et infliger des dégâts colossaux. Donc il fait pas de dégâts immenses, mais il fait des dégâts colossaux. Et en plus de ça, au niveau de son passif, il va avoir un boost d'attaque et de défense de 70%. Un ki plus 1 au début du tour. Et défense plus 20% à chaque coup donné. Donc à chaque fois qu'il tape, il va avoir une défense plus 20%, 80% max. Et à chaque coup reçu, donc il va avoir 20% d'attaque qui vont jusqu'à 80%. Donc il peut aller entre guillemets jusqu'à 150% d'attaque et de défense, qui est assez énorme et énervé, hein, sachant qu'il y a des stats de ZTUR qu'on peut voir juste à côté, donc du presque 17 000 en attaque, presque 16 000 en PV et 11 000 en défense. C'est assez fou avec un passif comme ça, juste incroyable. À noter aussi que le fait que son attaque et sa défense au début du tour soit 170% et que derrière on ait successivement les boosts d'attaque de 20%, enfin, en réalité ça fait un peu plus que 80% de boost. Au niveau des liens, on va avoir Rasen qui reste, voilà, bon, 700 d'attaque, c'est pas ouf, mais ça reste répandu. L'origine des scènes, donc qui plus 1, génie, donc attaque plus 10%, qui est très bon. Merci aux frérots qui s'est abonné en vidéo. Génie, donc plus 10% que les Vegeta possèdent, par exemple. Berserk, donc le lien de Broly. Vitesse époustouflante, qui plus 2, paré au combat, qui plus 2. Donc il a les deux lui aussi, la vitesse époustouflante et paré au combat. Et en plus de ça, il a combat acharné. Donc il se lie excellemment bien avec le nouveau Broly. DBS, donc Super Saiyan légendaire, sachant qu'ils n'ont pas amené de nom, bien sûr. Bah, ils peuvent s'intégrer dans la même team. Donc, on va avoir comme catégorie 2, catégorie boss de film et évidemment Saiyan 200 pur. Donc, cette unité, elle va être très très puissante, que ce soit défensivement ou offensivement parlant. Alors, franchement, en Saiyan 200 pur, vous pouvez totalement la jouer. Hein. Il a pas au combat, il a pas Super Saiyan parce que c'est pas encore un Super Saiyan. Mais vous avez vraiment de quoi faire. Et maintenant, on va passer au test. Donc on va aller test tout de suite, bien sûr je l'ai joué en double Broly DBS en leader, bah oui bien sûr. Hein. On a pris aussi un Thalès donc comme support qui joue très bien dans cette team. Metal Cooler, donc là j'ai joué avec beaucoup de support, hein, je vais pas vous mentir. Avec le Golden Freezer End, mais ils sont vraiment incroyables ces unités, je kiffe les jouer en team boss de film, donc voilà. Et on a pris le Gohan, il va pas servir à grand chose, mais j'avais la flemme de le bouger pour prendre une autre unité de toute façon. C'est pas très utile. On a la plupart des liens qui s'activent avec le Broly. Et puis on a pas mal de support déjà. Donc en item, on va prendre un petit présentateur AJ pour un petit boost de plus. Et puis voilà, let's go. Écoutez, on va tester tout ça. Alors, je l'ai pas encore testé d'ailleurs. Je vais le tester en même temps que vous. Mais je sais qu'il inflige de ce que j'ai vu des dégâts qui sont vraiment impressionnants pour une unité non de Canfest. Il inflige vraiment de très 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 lourds dommages. Donc on va commencer premier tour avec, alors c'est magnifique, premier tour on a les deux Broly plus un support, donc là c'est parfait à ce niveau là. C'est parfait, bon il va pas pouvoir se prendre deux coups, ça c'est un peu dommage, 184 000, ouais il va pas, bon là du coup on va pouvoir le tester sans rien en fait, juste avec un support, il y a quand même un support, mais on va dire boost de base plus support. Donc il donne 30%. Il va monter à combien déjà?
1 million 6 de valeur d'attaque pour commencer alors qu'il est même pas boost, punaise. Ah ouais, il rigole pas trop ce Broly, hein. Il ne rigole pas du tout. Bon là on va voir l'aspect de... l'aspect du Broly DBS. Donc pour commencer un 1 million 7 qui est une très grosse valeur d'attaque. Hein, très grosse valeur d'attaque. On va essayer de se prendre des coups par la suite, ça serait mieux. Hop, on va mettre ça là. Bon, on s'en fout un peu. Voilà. Hop, lui, on sait qu'il va partir en SP de toute façon. On partira à pense pas avec le Gwen. Alors, la chose à savoir, c'est que le ZTUR de Broly, pour le faire, il faut mieux partir avec une team héros de film si vous pouvez. En fait, vous avez juste à prendre, en soi, vous avez juste à prendre un Gogeta agi en ami leader. Et vous partez avec une espèce de team. Vous pouvez partir avec une team soit super tech. Vous pouvez essayer avec une super tech, c'est plutôt pas mal, mais arrivé au level 30, vous allez galérer. Soit vous partez. Attendez, hop, du coup là, on va se prendre des coups. On va se prendre un coup. Un coup ici. On a le Thalès. Donc pour support, qui donne 30%. 40% même, je crois. 40% si je me trompe pas. Ouais, donc 1 million 8, elle donne bien 40%. 1 million 8 de valeur d'attaque. Je rappelle, il y a un support dans le tour, mais c'est pris encore 0 coup. Ouais, j'espère qu'il va pas le one shot quand même. Très bien, Broly. Très bien, très bien. Bon, on a l'autre Broly qui se fait son show. Il veut montrer que c'est lui le boss de la team. Hein. Comme d'habitude. Bon, alors. T'inquiète, t'auras ton heure de gloire, Broly. Tu vas l'avoir. Alors celui-là c'est les miens je crois, il a même pas l'arbre gratuit du coup je crois pas qu'il va monter très très haut au niveau de la valeur d'attaque. 1 million 4 ouais, mais je crois qu'il a même pas l'arbre gratuit en plus. Il monte à 1 million 4 comme ça normal. N'importe quoi ce perso, c'est n'importe quoi. Il monte à combien le Freezer? 380 000 sans arbre, SP 10. Ah l'aspect elle est giga stylée hein. L'aspect est vraiment giga stylé, ça c'est cool. Donc on va passer à la face avec Freezer. J'espère qu'il va taper pas mal de fois au début. Avec ses sbires. Sur le même perso. Comme ça on pourra bien boost Broly comme il faut. Alors. Bon, il tape deux fois. Donc on va pouvoir le test, c'est bien. Là il n'a pas de boost. Le Gwan donne au type tech et puis je crois, si je me souviens bien de mémoire. Donc on va taper sur le bon chip pour voir combien il fait sur le bon chip aussi. Ça serait une manière de tester. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc là on va se prendre deux coups. On va avoir un boost d'attaque qui est égal à 80, 40%, pardon. On se prend une spé en plus. Bah on va pouvoir voir du coup combien de. Combien. Ouais bon. Il va tanker. On va regarder sa défense aussi. C'est vrai que j'ai oublié de vous donner cette. Ah il a tapé 3. 2 millions 6 de valeur d'attaque! Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. D'accord. D'accord. Du 2000. Ah bah lui, il va taper tout le monde, du coup, c'est one shot. 2 millions 6 quand même. Il y avait un support dans le tour, mais du 2 millions 6. Ah c'est vrai que je suis un peu bête parce que j'ai oublié de vous montrer sa défense. C'est pas très grave. Je vous la montrerai. Thalès, on va le sortir ici. Hop. C'est vrai que depuis le début, il a un gros boost de défense. Là du coup il a fait une attaque, il va avoir un boost de... On va voir sa défense avec une seule attaque, donc 20% en plus d'attaque. Ça va être pas mal. Et là il s'est pris deux coups. Du coup il va. On va peut-être pouvoir voir s'il se prend un coup de plus. Combien il tape avec trois coups pris. Le but ça sera de le tester bien sûr au maximum. Ok. Donc lui il est mort, normal. D'accord, il va se prendre deux coups là. Il va être boosté à 100% du coup. Il va y avoir 116 000 de défense. Il n'y a pas de support qui donne de la défense. Hein. Le couleur donne uniquement de l'attaque métal couleur et de la et des, du ki. Donc là, 116 000 à lui tout seul. Punaise. 116 000, il s'est pris deux coups les gars. Il s'est pris deux coups, sachant qu'il peut se prendre des coups. Il peut se prendre jusqu'à 4 coups là, du coup il va les prendre.
Ça fait beaucoup de coups dans ma phrase, mais vous m'avez compris. Ouais, du coup. Il va être assez vénère. Il va être assez vénère là. 3 millions de valeur d'attaque. 3 millions, donc boost. Il a tous les boosts. Aïe, 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 aïe. Avec un support. Mais comme je disais, la team boss de film, c'est pas non plus ahurissant d'avoir un. Et loin de là. Même. Je dirais même c'est normal d'avoir un support dedans. Le Thalès, il joue parfaitement. Le Metal Cooler aussi. Ou le. D'ailleurs, le Freezer peut remplacer le Metal Cooler maintenant qu'il y a une très bonne unité free to play. Qu'il faut avoir dans sa box. Du coup, on va partir comme ça. Et on va voir la défense de notre cher Broly au prochain tour. On va voir la défense de cher Broly au prochain tour. Allez, fais toujours son cinéma, lui. Allez, allez, crache du feu, allez. Fais tes trucs, là. Oh là là là. Double SP. Double SP. Bon. C'est pas très étonnant. Il a une chance sur deux de partir en double SP. Très très fort ce Broly aussi, bien sûr. D'ailleurs, le test est déjà est disponible juste ici, si tu veux, frérot, pour le Broly 100%. Là aussi, il se transforme. Donc, ce tour-ci, on va avoir qui dans la rota? On va avoir Thalès. Ok, Thalès sous 417 000. Et là, on va avoir du 417 000 aussi, je présume. Au niveau de la défense, on a du 136 000 en défense. Sachant que Thalès ne donne pas de boost de défense. À lui seul, 136 000. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, les frérots, mais 136 000 de défense, c'est un truc vraiment abusé. Donc là, j'ai mis le petit boost pour voir jusqu'à combien il pouvait monter. Voilà, pour le fun. Donc là, il a un boost de 30% d'attaque supplémentaire. C'est juste pour kiffer. Hein. C'est juste pour kiffer. On a déjà vu les dégâts qu'il faisait. 4 millions 1 de valeur d'attaque. Mais c'est n'importe quoi. Allez, un petit critique pour la fin de la vidéo. Pas de critique, mais bon. Du 4 millions 2 qui tombe. Et là, c'est vraiment abusé. On va voir. Tout simplement la défense, je vais juste lancer le Black Goku pour qu'on voit la défense qu'il a sans boost, tout simplement sans boost dès le début. Combien il a, parce qu'avec sa valeur en ZTR de défense, il doit vraiment avoir une très très bonne défense. Allez, on va partir avec le Broly en SP. Hop, ouais, le Freezer est vraiment très très bon, genre, mais vraiment dans le top du top, hein, des persos gratuits. Ah, on a un Dokkan Moi qui tombe, on le remplit pas, hein, on s'en tape. Pas le but, c'est d'aller chercher Broly au prochain tour. Imaginons, on serait parti en Dokkan Mode avec la valeur de 4 millions là. Il aurait tapé du 10 millions. Il aurait au moins tapé du 10 millions facile. Elle est trop stylée, sa spé, je l'aime trop. Je dirais pas c'est quel moment dans le film parce que ça va spoiler à certains, mais elle est giga stylée. Elle est vraiment giga stylée. En plus, il tape pas si mal en vrai. Il tape pas si mal, il réduit les dégâts infligés de 30% sur lui-même. Donc ouais, c'est bonne unité. Donc le Broly, là, on est à 88 000 de défense, qui est très très honorable. Je sais pas si le Gohan le boost, je ne pense point que le Gohan le boost. Alors, ouais, je sais pas lire le japonais, c'est en train le mec. Je ne sais pas lire le japonais. Bon, bref. Voilà pour cette petite vidéo les frérots, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, il est vraiment incroyable ce Broly. Si vous l'avez, GG à vous. Moi je suis un peu deg de ne pas l'avoir eu, mais j'ai eu des invocations de malade. D'ailleurs, elles seront juste ici aussi, je pense. Voilà, n'hésite pas à aller les voir parce qu'elles sont vraiment folles. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si vous voulez me suivre et soutenir la chaîne. Ça coûte rien et puis ça vous permet d'être au courant quand les vidéos sortent et de mieux référencer celle-ci. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. YouTube toujours dans la description. Vous regardez une petite pub. Et dans les commentaires aussi, je le mettrai en épinglé. Vous financez un peu la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao la team. Bonne semaine, bon week-end. Bisous.